Merci Yann, ben, habitant résidence Père Laval, habitant circonscription numéro 18, Belle-Rose, Cap-de-Beaune. Vous souhaitez tout la bienvenue et un grand bravo, un grand merci pour votre présence. Moi, vous partez votre discours, quelque chose qui est important. Qui fait électorat numéro 18, bizarre, voter le 17 décembre. Et deuxième point, qui fait bizarre votre candidat MMM, qui fait bizarre votre Nita Diadou. Bonne camarade. Comment nous connaît, mon habitant résidence et les environs? Comment nous connaît, élection partielle, les 17? On a un devoir civique pour faire les 17 décembre. Vous prenez un droit, reste sur la case, les 17 décembre. Vous bien mobiliser, vous et vos familles, voisins, voisines, mes camarades, tout à le voter, de faire sa devoir civique là, les 17 décembre. Et, comment on va voter? Et il y a certains points qui vous viennent en tête. Premier, nous mettons le passé, surtout un parti qui peut participer dans cette élection partielle-là. On a un grand parti, PMSD, supposé grand parti, on a un parti Sambaïs, on a un monsieur Padin. Et un côté, on a un MMM. Quand nous mettons le passé, mon camarade, dis bon, pensez un peu le passé. Qui était PMSD? PMSD, c'est un parti judiciaire, nous tout connaissons. M. Duval, petit député, Premier ministre dans sa circonscription-là. Ou pas si tu oublies aussi souvent que tu oublies pendant sa campagne. Là, là peut passer partout, comme on a regardé, fait de où. Là, il peut organiser une balle, une danse, etc. Juste pour en fait électorat, après, fond. L'autre côté où on a post-travail, nous connaissons les passés post-travail. Surtout, le candidat travailliste, qui est de Diaou, aujourd'hui numéro 18, Jimmy Lille Maurice. Moi, je dis à des affaires. C'est ce que vous êtes censé. Hier, tu numéro 11. Aujourd'hui numéro 18. Demain, numéro 11 encore. Ça garantit mon devoir. Qui fait me dire où ça? Quand vous êtes la liste candidat, du bon qu'on lit. Quand nous mettons la liste candidat, on a 40 candidats sur l'élection partielle. Si vous mettez la liste, ça bien. Il y a 3 candidats. Si vous êtes indépendant, 3 candidats indépendants sur la liste là. 2 sont du Rosebel, 1 sont du Nouvelle-France. Pour nous poser la 4 bonne comme indépendant. Là, si vous n'avez pas ouvert, vous comprenez que c'est ça. Là, hein? Alors, ça, c'est un point qui nous vient de noter avant nous faire le devoir. Et M. Badin. M. Badin, nous tout connaissons, il provoque élection partielle, élection déclarée, alors l'excès ne n'a pas le voté. M. Badin, tu dois gouvernement, lui, pas bigué. M. Badin, l'aide du gouvernement, ou comme sur l'épisode, si tu es ministre des Finances, pourquoi vous n'avez pas de l'élection partielle? Ça aussi. Et l'autre côté, quand nous mettons le passé, ça y est important avant de prendre une décision. Et c'est un candidat qui fait nous bien voter, Nita Diadou, qui fait bien voter maintenant. Ariane Febdiaou, qu'il tient même, qu'au niveau municipalité, qu'au niveau gouvernement, là où sont les stratégies, tous plusieurs camarades parlementaires, tous les mardis, chaque mardi, chaque séance parlementaire, où tout le monde camarade peut être différent le gouvernement. Peuple, il y a un par un, là, un camarade peut travailler, faire tout au moins, rentrer dans le parlement, faire son devoir comme parlementaire de l'opposition. Au niveau municipalité, ici même dans Cap-de-Beaune, ben habitant ici connaît, qui va le poser, vous tenez un conseiller qui sortit dans l'endroit ici. Comment Yann Febdiaou, un conseiller sorti dans l'endroit, résidence Père Laval, mon travail camarade là, nous faisons poser au niveau, comment Yann Febdiaou, ma pour dire. Alors quand on va le voter le 17, on est seul soir. On va le voter pour nos 40 candidats. Vous votez numéro 21. Numéro 21, il est au milieu bulletin, presque au milieu. Vous êtes au milieu bulletin, vous votez numéro 21, vous tournez Nita Diadou, symbole de guerre, vous piquez la croix et nous donnez la victoire le 18. Merci.